C'était l'eau qu'on donnait à boire aux animaux. C'est à vous alors ça? Ah oui, ça c'est à nous. Ça, c'est et c'est pour ça que nous on y a mis des canards pour garder l'eau. Ouais. C'est facile à entretenir les canards et les cygnes? On fait rien du tout, on les boit du gras. D'accord. Mais c'est vrai, you said there was no water to drink the water, so that was, you know, you have to have that and the horses will drink it. Mais il y a 15 jours, l'eau, elle était... Il n'y avait plus d'eau. Oui, il n'y avait plus d'eau. Ça sera trop bien fou, comme dit ma copine belge. Elle dit, t'arrêtes, tu vas venir fou. Alors ça, ça marchait à François, notre fils, tu vois. On l'a donné, ça, pour être Arrêter les avions pour pas qu'ils fassent de terrain d'aviation ici en face. Mais la Première Guerre mondiale, il y a eu un terrain d'aviation entre cette route nationale et les fermes. D'accord. Donc les pilotes avec leurs avions atterrissaient ici sur cette bande ici RB. Et les pilotes sont restés peut-être ici. Les pilotes sont restés ici et logés dans un petit hangar, une grange qui était à la place. De là où est-ce qu'il y a les citernes à engrais, là. Engrais, oui. Really? Cinéphiles. That's amazing. Really? Ils accrochaient tout le temps. They were aeroplanes. First World War aeroplanes. Landing just there. Yeah. Incredible. Back between the National and here. Mais on a eu un Anglais qui est venu ici avec toutes ses décorations. Toutes ses décorations qu'il avait été aviateur en face. On l'a vu prendre la photo et il était aviateur. Ah, il est arrivé un coin beau, monsieur. Bleu marine, chemise avec son fils qui avait plus que 85 ans. First World War pilot came here 10 years ago with all his medals and uniform to revisit where he's from. Mm-hmm. Ça fait quelque chose. Ah, oui, 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 assez. Oui. Do they take a photo? Oui. Et puis aussi l'histoire de l'Allemagne. Des prisonniers allemands pour travailler. Voilà. Quelquefois, ils aimaient mieux travailler dans les fermes que de rester en prison à la citadelle d'Amiens ou la citadelle de Doulan. Donc papa, moi j'ai connu étant enfant, on recevait quelquefois 3, 4, 5 prisonniers allemands pour travailler à la ferme. D'accord. Et puis une fois, il y en a un allemand, parce qu'en général ils étaient tous... German soldiers came to work here. Instead of being prisoners, they would help on the farm. Working on the farm, and Jean's father was looking after them. And one of the Germans were really fed up, and he said, I don't want to stay here, I want to go back to Germany, I want to escape. The trouble is I don't have any shoes. Can I have your shoes? So the father said, you want my shoes, you can have my shoes, you go. Went all the way back to Germany, they didn't hear for years and years and years, and about 4 years after, he came back with the shoes, gave the shoes back, and on his way to Paris to marry a French girl. Really? Yeah. That's a rich history. That's amazing, isn't it?
Un parachutiste. Oui. Un parachutiste qui avait voulu tuer. Une batterie anti-aérienne à Doulan, et puis elle était fort réputée, et beaucoup d'Anglais savaient qu'il y avait une mauvaise batterie quand ils passaient avec les gros avions au-dessus de Doulan. Ils avaient peur parce que c'était une batterie allemande, mais c'était un Polonais, pareil. Alors tout le monde en avait peur, ils le savaient, toute l'armée, les pilotes. Alors il y a une forteresse qui en passant... Qu'est-ce que c'est une forteresse ? Forteresse, c'était des gros avions avec quatre moteurs, avec des bombardiers qui passaient pour aller vers l'Allemagne ou bien, je ne sais pas, bombarder. Et il a été abattu par cette artillerie là à Doulan, tout près de la citadelle. Et puis il a fallu qu'il... Il est tombé, et puis les parachutistes, les pilotes et tout ça, ils ont sauté en parachute là à 2-3 km ici, puis ils sont atterris. Il y en a un qui est parti sur le Valereux, et un autre qui sont tous égarés à droite à gauche, c'était au mois de juin. Ils voulaient se cacher. Ils voulaient se cacher dans les récoltes. Et puis il y en a un qui est atterri, qui est revenu par ici. Puis maman, papa, maman l'ont vu. Puis c'était un Américain. Ils ont dit, ils ne savaient pas d'où le mettre parce que tous les... On te tue. Les Allemands, ils cherchaient après pour le capturer, pour le faire prisonnier. Oui. Puis maman, elle a retiré. Vous savez, il y avait des armoires froides, un frigidaire. Pour mettre le lait. À ce moment-là, ils mettaient leur crème et leur lait dedans. Frigidaire. Ils ont retiré ça, puis ils ont dit au pilote, tu rentres dedans. Puis frigidaire, on mettait la crème. Je ferme la porte. Ils ont mis le monsieur. Ouais. Et les Allemands sont venus, ils ont visité toute la ferme. Toute la maison, toute la ferme. Ils n'ont pas trouvé ils ont eu peur, tu sais, de mon pilote américain. Elle a dû avoir peur. Ils avaient peur. Hein. S'ils ouvrent la porte. C'était bon. Eh bien, ils étaient morts tous les deux. Ils étaient déportés complètement. Bien morts. Morts complètement. Alors qu'il valait mieux être mort que déporté. Ah oui. Ils ont rentré l'Américain et puis ça s'est pas bien passé. Puis après, ils sont partis, ils ont dit, on ne trouve pas. Et puis la nuit, ils l'ont lâché. Et puis il est reparti. Puis il est reparti en Amérique. Il a réussi à s'évader. Cidre de Normandie avec des pommes qui viennent de Doulan. De Doulan, oui.